Et donc bien salut à tous et à tous les amis, c'est Mystery, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur YouTube. Donc désolé pour la qualité un peu de la webcam, mais on n'est pas tous pas riches, d'accord. Ça va, ça fait le taf, hein, ça fait le travail un petit peu. Donc il y a 3 ans j'ai fait une vidéo déjà pour comment installer Trucker MP pour Euro Truck Simulator 2. J'ai vu pas mal de personnes qui n'arrivaient pas ou qui avaient des petits soucis, etc. Normal, ça a tout changé, tout a été changé depuis 3 ans. Donc aujourd'hui je vous refais un tutoriel pour vous montrer comment installer Trucker MP sur Euro Truck Simulator 2 en 2025. Donc vous allez voir, il y a des petits changements, c'est encore plus simple, c'est encore plus rapide que d'habitude. C'est vraiment pas mal. Donc voilà. Et voilà, donc là du coup on se trouve sur le site de Trucker MP. Donc comme vous pouvez voir, là je vais vous montrer du coup comment installer Trucker MP sur Euro Truck Simulator 2. Donc du coup vous êtes sur cette page là, donc vous avez en haut à droite register au login, vous faites register, vous allez arriver sur une page comme ça. Donc du coup vous allez devoir vous connecter votre compte au Steam au site. Vous devez avoir un minimum de temps de jeu sur votre jeu solo de 2 heures pour être éligible. Et il faut avoir Euro Truck Simulator 2 acheté et avoir un Steam, donc un profil Steam en public. Voilà, simplement. Et là après du coup vous avez là dessus, vous cliquez ici, ça vous emmène sur la page Steam, vous vous connectez. Et après vous passez à l'étape suivante, etc, vous validez, etc. Une fois que ça c'est fait, vous serez connecté. Donc du coup, une fois que vous êtes connecté, vous arrivez comme ça, en haut à droite, etc. Voilà. Ensuite, vous allez appuyer sur Download juste ici. Vous allez arriver sur cette page-là, et là vous allez faire Download Now juste ici, d'accord. Donc une fois que c'est téléchargé, vous avez juste à cliquer dessus, d'accord. Ça s'allume, on va arriver là-dessus. Donc là, voilà, vous allez arriver sur cette étape-là. Ensuite de ça, vous allez dans Paramètres. Vous êtes dans Paramètres, vous vérifiez bien que, justement, ce soit le bon chemin d'installation de Euro Truck Simulator 2. Si c'est pas bon, faites pas courir et vous cherchez là-dedans directement. Pareil ici, là c'est là où vous souhaitez qu'il soit installé directement. Une fois que c'est fait, vous allez rentrer dans Jouer et ici vous allez faire Installer. Voilà, donc quand c'est téléchargé, ça vous fera installation à jour. Une fois que c'est fait, vous aurez juste appuyé sur Jouer. Une fois que le jeu est démarré, vous allez arriver sur une page comme ça. Là vous allez devoir vous connecter. En fait, vous allez devoir vous connecter avec les informations de connexion que vous avez utilisées sur le site de Trucker MP. Vous savez, vous avez dû mettre une adresse email et un mot de passe. Du coup, c'est ça que vous allez devoir utiliser. Donc là, du coup, on va rentrer une adresse email et un mot de passe. Vous vous connectez. Une fois que vous êtes connecté, vous allez arriver sur une sélection de serveurs. Donc vous allez avoir les serveurs simulation, les serveurs pro mode. Voilà, simplement, vous rejoignez le serveur que vous souhaitez, vous faites joindre ce serveur. Ça va charger votre partie et vous allez arriver dans une partie multijoueur. Voilà, tout simplement, c'est simple. Tout simple. Si jamais vous n'avez pas bien compris ou autre, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, ça ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu vers le haut et vous mettre même à partager la vidéo, ça ferait vraiment plaisir. Merci à vous d'avoir suivi ce petit tutoriel, merci énormément. J'espère avoir pu répondre à toutes vos questions, ça me fait énormément plaisir. Merci à vous et je vous souhaite à la prochaine pour d'autres tutoriels. Allez, ciao ciao.